Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc sur la chaîne Bien-être, la chaîne Harmonie, aujourd'hui donc on retrouve Laurence Rouvière. Bonjour Laurence. Bonjour à tous. Alors donc Laurence qui est sophrologue et également bioénergéticienne, donc il va nous expliquer ce qu'elle fait. Donc d'abord pour commencer Laurence, moi j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi de devenir sophrologue et bioénergéticienne. Alors, je dirais que la sophrologie est venue à moi avec un parcours de vie pas facile. Mais depuis toute jeune, je voulais aider les personnes, être dans l'accompagnement. J'ai choisi la biologie et puis petit à petit, je me suis rendu compte que c'était vraiment cette relation, ce lien direct, ce soutien, cette aide que l'on pouvait apporter qui était mon chemin. Voilà. Et puis, la bioénergie est venue un petit peu plus tard sur mon chemin où j'ai expérimenté bien, tout ce qui nous environne. Et puis, voilà, comme nous tous, j'ai compris petit à petit et je me suis lancée à utiliser l'énergie qui m'était donnée au quotidien quasiment. Voilà. Et donc, j'exerce depuis maintenant plus de 15 ans. Voilà. Ah oui, donc ça a été un, j'imagine que ça a été un petit peu tout un chemin, un parcours un petit peu initiatique de recherche pour aller vers vers la bioénergie et que ça n'a pas été forcément évident tout le temps. Alors non, pas du tout, parce que mon papa était guérisseur. Quand j'étais petite, je le traitais de charlatan. Donc de là où il est aujourd'hui, je pense qu'il doit être quand même relativement content de voir que j'ai fini par comprendre certaines choses. Et je lui fais un clin d'œil. Et du coup, oui, c'est un chemin de toute une vie. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Super, super. Et par curiosité, qu'est-ce que vous faisiez avant d'être sophrologue? Alors, je travaillais en laboratoire. J'étais spécialisée en immunologie. Et j'étais quand même au contact des malades, puisqu'on m'avait désignée pour tout ce qui était prélèvement un petit peu particulier. Et déjà, là, j'ai pressenti qu'il y avait quand même quelque chose. J'avais cette fibre où on me disait, vous êtes un rayon de soleil. J'aime quand c'est vous qui venez me faire le prélèvement. Et petit à petit, voilà, là encore, j'ai compris tous ces petits signes que l'on m'envoyait. Bon, très bien, très bien. Donc, par rapport à votre activité aujourd'hui, il me semble, Laurence, que vous avez développé une méthode en particulier. Moi, j'aimerais bien que vous nous en parliez. Oui. Alors, j'ai créé cette méthode il y a bientôt 10 ans. Elle est venue en partie en canalisation et puis par la pratique, par l'expérience, où j'ai utilisé des petites techniques qui sont venues et puis je l'ai construite au fil des années. Donc, petit à petit avec certains patients, hein, en leur expliquant ce que nous faisions. Et puis petit à petit, les résultats ont été là, avec quelque chose de très étonnant, puisque c'est reproductible. On me décrit toujours les mêmes choses au niveau des sensations, au niveau de ce qui se passe après les séances. Et puis, bien sûr, après les retours de certains praticiens, puisque j'exerce dans le milieu paramédical, j'ai essentiellement des spécialistes, des neurologues, des gastrologues, etc., qui m'envoient des patients et qui me posaient la question, mais qu'est-ce que vous faites exactement? Parce que quand on a le retour des patients et qu'on voit l'évolution, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà. Et si vous voulez, cette méthode, elle est très holistique, donc, où j'ai mis en place un certain nombre de techniques simples, faciles, pour travailler à la fois sur le mental, à la fois sur l'émotionnel, à la fois sur les sensations corporelles et aussi sur les comportements que nous pouvons avoir vis-à-vis de certaines situations. Et puis, lorsque les patients ont équilibré, réharmonisé, et compris leur cohérence, eh bien on va un petit peu plus loin.
On va travailler au niveau énergétique, où là, ils vont découvrir tout ce milieu-là. Et puis, je les accompagne vers des ateliers que j'ai mis en place, des ateliers de développement plutôt spirituel. Voilà. Intéressant. Intéressant tout ça. Comment s'appelle cette méthode? Alors, c'est la méthode de cohérence santé, avec donc une technique qui gère essentiellement donc les traumatismes et les peurs, que j'ai dénommée cohérence cellulaire, puisque vraiment dans la description de ce que me donnent les patients à chaque fois que je la pratique, il y a vraiment un effet rétroactif de tout ce processus où au final la mémoire cellulaire se rééquilibre et quasiment instantanément ne pense plus pareil, ne ressent plus pareil, évidemment dans le positif. Super. Est-ce que c'est une forme, d'une certaine manière, de déprogrammation et de reprogrammation de quelque chose? Tout à fait. Alors, comme à la base je suis scientifique, j'ai voulu l'expliquer d'une manière un petit peu plus précise, notamment avec une neurologue qui a été vraiment très, très satisfaite de tout ce travail avec certains patients. Et elle m'a dit, mais l'essentiel, c'est que ce soit reproductible, parce qu'effectivement, on ne connaît pas toutes les capacités de notre système nerveux. Et elle me dit, essayez de comprendre, à moins de faire peut-être effectivement des recherches avec les neurosciences, mais elle me dit, ça prendrait trop de temps. L'essentiel, c'est que ça fonctionne. J'ai quand même suffisamment de recul là maintenant pour dire que oui, c'est construit. C'est une méthode progressive qui va correspondre à tout le monde. Ceux qui veulent juste être dans un mieux-être ou être accompagnés dans la maladie et vivre ça d'une manière un petit peu plus sereinement et puis surtout croire qu'effectivement on a la capacité, la possibilité de reprogrammer nos mémoires cellulaires. Déjà, c'est un grand pas. Et puis après, pour ceux qui le souhaitent, nous allons loin avec la bioénergie et la spiritualité. Très bien, très bien. Donc on a quand même, c'est super votre méthode parce qu'on a vraiment les deux pieds sur terre, les racines bien ancrées dans la terre et la tête dans les étoiles. Alors, c'est étonnant ce que vous me dites. Enfin, non, il n'y a rien d'étonnant, justement, puisque nous sommes tous connectés. Mais je compare très souvent cette méthode à une petite graine que j'ai plantée il y a des années en arrière, où voilà, je voulais vraiment accompagner, aider, mais d'une manière un petit peu différente et un petit peu plus effectivement scientifique, posée. Et au final, je me suis rendu compte que cette petite graine, elle a émergé, elle a germé. J'ai d'abord construit effectivement ces techniques de reprogrammation et surtout des traumas. Et puis petit à petit, effectivement, j'ai construit autre chose avec la bioénergie, puisque je suis également canal et j'ai canalisé énormément de soins antiques, notamment des soins égypto-essénien et puis de bien plus loin. Donc c'est riche tout ça. Et effectivement, lorsque on connaît la biologie, on comprend mieux où va cette énergie. On sait d'où elle vient, on a des visualisations, on ressent, on perçoit. Et effectivement, quand on a cette compréhension de l'infiniment petit, on dit toujours que tout ce qui est en haut est pareil que ce qui est en bas, ça illumine. Et là, on peut pleinement être et rayonner. Très bien, Voilà. très bien. Alors, est-ce que Laurence, vous pouvez nous dire à qui s'adresse cette méthode? Pour quel type de problématique on peut venir vous voir? Alors, tout type de problématique, si ce n'est que je mettrais un petit bémol pour les enfants. Alors, les enfants, je les accompagne plutôt en sophrologie. Excusez-moi. Donc, les enfants, je les accompagne plutôt en sophrologie puisque j'ai une spécialité en sophrologie ludique.
Et par contre, donc, la méthode cohérence santé s'applique plutôt donc à des adultes, quel que soit leur âge, et particulièrement à ceux qui ont subi des traumatismes, qui ont des peurs très présentes, des TOC, mais aussi des personnes donc qui doivent être accompagnées pour une maladie, qui va vraiment les aider à inverser ce processus cellulaire. Intéressant. J'ai un exemple, si vous le permettez, Bien sûr. qui vient à l'esprit. C'est une dame qui est atteinte de sclérose en plaques, qui a énormément travaillé. Et au bout d'un an, elle a fait un scanner. Et justement, la neurologue m'a appelée en me disant, mais c'est quand même incroyable parce qu'il y a une partie du cerveau qui s'est régénérée. Et c'est la première fois que je vois ça. C'est là qu'elle m'a demandé, mais comment vous avez fait? Expliquez-moi, je ne comprends pas tout. Je lui ai parlé des énergies aussi. Elle m'a dit, écoutez, du moment que ça fonctionne, du moment qu'effectivement, les résultats sont là, ça me va. Voilà. Ouais. Eh oui, c'est formidable. Donc, après, tout ce qui est migraine, ça fonctionne très, très bien. Et puis, le champ, il est vaste. Très, très vaste. Que ce soit l'accompagnement dans la maladie, dans le mal-être, aussi juste en quête de spiritualité, de compréhension. Puisque c'est vrai que tout ce que je fais, les ateliers, les séminaires, les formations, j'axe énormément sur la pratique, puisque c'est par l'expérience, l'ancrage, hein, que l'on comprend, que l'on intègre les choses. C'est la base de la sophrologie. Mais au-delà de ça, la connaissance est importante. Sans connaissance, si on ne met pas du sens à ce que nous faisons, ça ne peut pas fonctionner. Donc, j'aime transmettre. C'est une passion pour moi. Je me définis plus comme une pédagogue qu'une thérapeute, effectivement. D'accord, ok. Donc l'idée, c'est aussi d'aider les personnes à avoir des prises de conscience pour mieux comprendre ce qui se passe. Tout à fait. Très bien tout ça. Très intéressant, vous avez vu, donc Laurence Rouvière vous propose pas mal de choses, donc à la fois donc s'il y a des problématiques à régler ou à réguler, mais aussi pourquoi pas pour aller un peu plus vers soi et atteindre un peu plus de sens à sa vie et à qui on est, mieux se connaître. Donc n'hésitez pas surtout à la contacter. Laurence, comment on peut vous contacter, enfin vous consulter plus exactement? Est-ce que ce n'est que du présentiel? Est-ce qu'il y a aussi du distanciel? Comment ça se passe? Donc les deux en cabinet ou bien en ligne. Donc vous avez toutes les informations sur mon site cohérence-santé.com et les rendez-vous se prennent sur Doctolib. Très bien. Pour les rendez-vous en présentiel, pardon. Et alors, où est-ce que vous vous trouvez au niveau géographique, Laurence? Alors je suis située sur Béziers, dans le sud de la France. Aujourd'hui, nous avons un magnifique soleil. Ah oui, il faut en profiter, c'est super, ça fait du bien, le printemps est là. Donc vous avez envie ben voilà, d'aller un peu plus vers vous-même, vous avez des petites problématiques à régler. Dont Laurence a parlé tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à la contacter si vous êtes autour de Béziers, mais également en ligne, puisque ça se fait en ligne, en individuel, hein, c'est ça, Laurence? Tout à fait. Et très prochainement, donc, je vais organiser des ateliers à plus grande échelle et des séminaires dès que cette situation sanitaire le permettra, où je me déplacerai un petit peu plus en France et pourquoi pas au-delà. Voilà, tout ça est bien rodé sur Béziers et la région. Maintenant, je pense qu'il est temps aussi que j'aille aussi à la rencontre de toutes ces belles âmes. Eh oui, il est temps d'aller semer un peu partout, ce que vous faites bien apparemment. Et nous allons semer ensemble aussi, Laurence. C'est formidable. Oui. Puis je vous remercie parce que c'est important d'être regroupé, d'être à plusieurs. Et cette chaîne, ben c'est merveilleux parce que ce sont des petites graines où chacun va pouvoir trouver ce qui lui correspond parce que il y a beaucoup de thérapeutes, mais chacun, nous avons notre nuance à apporter. Et c'est ce qui est intéressant.
C'est que cette nuance-là correspondra à quelqu'un et pas à quelqu'un d'autre. Et c'est toute la magie de la vie. Et c'est merveilleux. Super, mais merci beaucoup Laurence en tout cas. Merci voilà, d'avoir relevé tous ces points-là. C'est pour ça que la chaîne Bien-être Merci. existe notamment. Donc créons du lien entre nous et créons du lien vers toutes ces personnes, vers toute l'humanité même, j'ai envie de dire. C'est super. Donc n'hésitez pas, voyez un petit peu le côté humain de Laurence. Donc voilà, vous avez envie d'être écouté, d'être aidé, d'être accompagné. Voyez un petit peu tous les outils que Laurence a pour vous aider et surtout sa méthode, hein, cohérence santé. Et puis voilà, vous avez ses coordonnées qui s'affichent et vous la retrouverez aussi sur notre chaîne Bien-être. Allez regarder dans Bon Plan Partenaire où vous retrouverez très bientôt son espace et vous pourrez en savoir un petit peu plus et accéder aussi directement à son site internet. Donc je vous dis à tout bientôt. Merci de nous avoir suivis. Merci Laurence pour cette belle interview. Merci à vous tous. À très bientôt. À très bientôt, Laurent. Au revoir. Au revoir.